Pourquoi on t'appelle Morsaï, toi, réellement? Le nom, je sais même pas pourquoi on me l'a donné parce C'est que. toi qui l'as créé ce nom, Non, Morsaï, non, non? c'était mon frère Zaf qui m'avait dit ça, et puis je sais pas pourquoi. En Et fait, c'est resté Morsaï, quoi, en c'est fait, au resté comme final? ça, voilà. Les gens qui ont parlé derrière, qui ont voulu faire de la mauvaise pub sur nous, on est là, on bouge pas. Le premier, après je parle plus tonton De toute Marcel, façon, c'est même le pas le premier, premier, Zaref. le Nous, on va premier. venir vous chercher, nous. Mais non, hey, Marcel, je vais te poser une bonne question. Mais comment est né ce clash entre toi et Vince en fait? Là... Marseille! Marseille! Oh, Marseille! Marseille! Oh, salut, vous êtes là à Internet? Bon, bah voilà, j'étais venu voir Marseille dans sa maison. Oh, Marseille! Bah, vous avez vu, je me suis habillé en circonstance. J'ai pris les habits qui reconnaît Marseille, c'est-à-dire les habits d'éboueur, par Vince Neil. Pour Marseille. Marseille, tu vis dans une poubelle. Et la seule fois que t'as une copine, elle était pas belle. Ça sent brûler en bas de chez toi. Tu vas sauter par la fenêtre et je vais. Regarde, Kalib, il est là, bâtard. Tout ce qu'il y a dedans. Ouais, t'inquiète pas, regarde. Il est trop cool, hein. Franchement, ça, tu dis quoi? Eh, regarde, filme ça. Là, là, ici. La gare là. Et regarde. Moi, le compteur, c'est. Moi, le compteur, fils de pute, c'est 360. C'est pas 250. La course quand tu veux. Bagarre, voiture, la mer. Regarde ça. Hé, hey, mira, mira, mira. Tu passes à côté de quelque chose. Là, tu loupes. Oh, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oh yeah, sa papaya. Ah putain, merde, vous êtes là. C'est la merde. Vous avez vu le dernier clash de Marseille? Comme une taille? Il est mis à tête à prise, ce connard. Ça y est, je suis fini. Tout est fini. Les clashs s'arrêtent. Tout s'arrête. C'est fini, allez, sec. Ouais, voilà, quoi. Marseille. Je suis en galère. Je sais, t'es contre moi. Mais je suis désolé. Franchement, je m'excuse. Pour tout ce que je t'ai fait. Hein, bah, pour tout ce que je t'ai dit. Mais qu'est-ce que tu crois?
Donc, bah, toujours pareil, t'as vu là, tranquille et tout. Donc, je suis au château. Parce que bah, c'est sûr que les villes avec piscine, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, les meufs, tu peux en bouillave et tout. T'as vu, c'est super cool. Mais quand t'es un winner, un gagnant, tu vois, un vrai gagnant, t'en as marre des villas avec piscine. Après, faut, c'est le niveau au-dessus, tu vois, c'est les châteaux. Comme toi, le niveau au-dessus, pour toi, Marseille, après le marché, ça sera peut-être le super marché. Enfin, pour toi, ça serait une supérette, c'est de quartier. Attention, je prends une tarte de moi. Tu crois que je vais m'excuser, espèce de bâtard, t'as vu là? Oh, t'as vu, connard? Mon marché, t'as vu, moi je suis au château. Et ouais, je vous l'avais dit sur internet, nouvelle acquisition, prêt pour la répression. Alhamdoulilah. Donc oui, comme je te disais, Marseille, tu rends de la galère. Bon, bah tout à l'heure, j'ai fait le trip clochard pour faire flipper un peu tout le monde, pour te lâcher encore plus, comme j'ai franchement une habitude de te lâcher et de te sabater, te... Donc voilà. Voilà, voilà, messieurs, dames, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ben 35, je vous avais dit, je t'avais dit une licence. Et bien, à ton avis, pourquoi je t'avais parlé de licence? Je t'avais parlé de licence, pourquoi? Et tu vois, avec ton pote du 94, toi, tu faisais un beau couple. Tu sais, l'espèce de blaireau là, avec un t-shirt tout blanc et qui est 94. Rentre chez ta mère, tu dis, sur ton dernier clash, tu vas compter l'oseille. Mais quand t'as de la thune, tu la comptes pas, l'oseille. En fait, tu payes des gens pour compter ton oseille. Toi, en fait, c'est ce qu'on appelle des comptables. Et moi, c'est ce que je fais, tu vois. J'ai des gens, je les paye, ils comptent ma thune. Il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et tous ceux qui disent, ouais, la Merco et tout, elle est de quelle année? La Merco, c'est de la location, location. Oh. Et ça, tu le loues? Tu le loues, ça? Oh, allô, j'écoute, tu le loues nulle part. Franchement, il y a un truc, faut vraiment que t'arrêtes. Tu veux faire un mec qui a de l'oseille et tout, Marseille. C'est vrai, parce que tu sors des nasses de billets, c'est style comme as. Bon, tu vois, bon, les miens, c'est pas des faux, tu peux voir, il y a un truc digital. Attends, Marseille. Tu vois, j'étais, moi que tu dirais, regarde, l'oseille et tout, mais l'oseille, mais hé. Donc, sur ta prochaine vidéo, sur les prochaines vidéos que je vais mettre, je vais essayer de baiser ta soeur. Mais sûrement que j'y arriverai, parce que ce sera bien pas trop difficile. Eh, moi je prends l'hélico et j'ai du Zeyo, direction Monaco. Je vais à Monte Carlo, oh. Je vais à Monte Carlo pour fonder mon Zeyo au casino. Je vais, moi, je ne suis pas un gitan, j'ai pas une caravane, je fume du Havane. Et ouais, mec, sois pas dégoûté parce que je te pourfends le crâne. Parce que pour moi, tu n'es que un âne. Et ouais, regarde l'hélico, regarde la Merco, regarde le château, sois pas dégoûté. Goûter, toi t'es qu'un clodo. Hey, Marseille, tu fais pitié, je t'attrape, je te taille, je suis un guerrier Marseille. Un hélicoptère, mais tu peux piloter pas l'hélicoptère, c'est pas sorti quoi? 10, 15 billets de 50 euros, hey. Truand de la galère. Est-ce que ta daronne l'a fait rien? Alors. Merci à ceux qui m'ont pas insulté, qui me soutiennent. Arrête de te la raconter. Je te nique ta race, je te pète ton billet de train et tu repars. Avec deux jambes handicapées, je te casse tes bras. C'est toi qui. Il y a des pauvres mecs qui sont handicapés, les pauvres, qui ont eu un accident. Moi, je les respecte à 100%. Parce qu'en mon manche et en ma parole, elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair? Marseille? Ouais, c'est Vincent là, c'est Vince Neil, mon pote. C'est gaz? C'est qui là? C'est Vincent, c'est Vince Neil. Tu vas bien? Hein? Pourquoi? Je vais t'attraper, je vais t'attraper. Mais bon, pourquoi t'es violent comme ça? Pourquoi t'es violent comme ça? Parce que je te mets à l'amende sur les vidéos, je te montre que j'ai plus de thunes, je suis plus fort que toi, moi mes fins que c'est des vrais. Ouais, mais moi je sais où t'habites. Ah ouais? Et si je veux, je peux venir aujourd'hui, comme demain, comme à présent. Mais bien quand tu veux. Ah ouais, à plusieurs, mais t'as pas de couilles. Et t'as pas de couilles, à plusieurs, t'es un sans couilles, mon gars. Ah ouais, je suis feu. Mais alors, pourquoi t'es raciste? Eh, mais t'es un facho, toi, ma parole.
Mais tu vas rien attraper, t'attrapes le vent. Tu sais très bien que ton adresse, on l'a déjà, et depuis longtemps, je peux venir chez toi, tu vois. Ah ouais? Waouh. Wow. Ouais. Bah vas-y, alors, dis-moi où j'habite. C'est du sac. Putain, une vidéo, tu as fait une vidéo. Dans le cadre d'Excel, on n'est pas quand on va lui faire une surprise. Mais ouais, je prépare bien mon cours, tu vois. Ouais, mais tu prépares rien, t'es idiot, tu peux rien préparer, t'es un imbécile. Qu'est-ce que tu veux préparer? Ouais. À part préparer ton stand au marché, c'est ce que tu prépares. Je te dirai un truc, hein. Je te le jure, tu vas regretter tes vidéos, ce que tu as fait. Mais moi, je regrette rien. Moi, j'ai pas de regret, pas de remords, rien. J'ai pas de regret, pas de remords. Et d'ailleurs, ça, j'en ai une avec mon ami Corse, tu la regarderas, elle est en cours de publication, tu vas kiffer. Franchement, je te jure, tu vas kiffer, grave mortel. Tiens. Je t'explique un truc. Ouais. Arriver et alors tu vas faire quoi? Vous allez arriver à 10, moi je serai avec un ou deux poteaux, on va vous savate, et voilà. Au pire, tu vas ramener quoi? Un gun, tes faux guns en plastique comme calibre avec son pistolet à grenade. Moi j'ai pompe, 9 mm, et il y a d'autres trucs que j'ai pas montré sur les vidéos, je vais rien faire. Attends, mais moi je suis pas un petit boloss comme toi. Mais quoi, je comprends pas, enfin écoute-moi un peu! Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Hassa, Frank? C'est un pauvre qui ne vole pas droit. Tout à fait toi! Ouais. 400-500 mecs, mais je te parle sérieusement, je suis pas ça pour te faire peur. Il y a à moins 400-500 mecs qui veulent ta peau, tu vois. Hey, Vinsley, t'es cuit. Là, t'as joué avec ta propre vie. Tu jouais un jeu où il fallait pas jouer. Tu t'es mis dans l'eau que t'as pas pied. T'as joué juste le jour. Non, t'inquiète, tu veux jouer le mec qui a insulté Robin. Tu veux jouer le mec qui m'a insulté. Tu veux jouer le mec qui a insulté tous les gens de la galère. Tu vas assumer. Ah, mais moi, j'assume. Ouais. Et ça tourne pas, tout ça rentre partout, tu vois. T'inquiète. Tu sais quoi, en fait, pour me trouver, je vais te donner un indice. Je te propose de retirer tes vidéos. Parce que un meurtre, c'est très très facile. Tu sais quoi, franchement, je vais te donner un indice pour me retrouver. Moi, c'est pas comme toi une barre HLM. Moi, c'est une maison avec piscine ou un château pour me trouver. Bah, c'est toi qui jouais. Attends, c'est toi qui jouais ton show sur le net. Eh, moi, c'est toi qui a commencé à m'insulter, gars. Attends, c'est toi qui a commencé à m'insulter, mec. Ah. Bah, attends, mais c'est toi qui a commencé à m'insulter. Moi, t'as insulté mon drapeau, t'as insulté mon pays. Non, mais moi. Mais je suis pas un bonhomme. Je vais venir, vous allez être combien? C'est très bien que je suis intouchable. Donc voilà. Tu vois, le prénom que tu m'as appelé tout à l'heure. Le fils de Moïse. Mon gars, c'est le peuple élu. On vous baise. Merde, non, ne me tue pas, je t'en supplie. Je vais pas te tuer. Oh mon Dieu, merci. T'inquiète. Tu sais quoi, en plus je suis gentil parce que moi je connais des élus sur Paname et franchement je suis pas une pute parce que ton stand je pourrais te le faire gicler et ton magasin Argenteuil je pourrais le faire fermer. Tu sais quoi, je passe un coup de téléphone, les pompiers ils passent pour voir les normes sécurité et tout, on se fait fermer. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Je te jure, je vais te faire regretter, donc, qui que ce soit, je vais prendre de la prison ferme. Je vais aller en prison, mon pote. Mais en plus, moi je connais des gens qui ont fait de la zonze. Toi, t'as jamais été en zonze. Comment t'es un mytho, t'as jamais été en zonze. Comment. Je te le jure, que pour toi, je vais aller en prison. Sache ça. Ah donc. T'es beau, dis pas merci. Merci. Manon, on a aigu cette merde dégluante. Non! Non! Donc voilà, t'as mitonné, t'as jamais été en prison. T'as jamais fait de bronze, t'as mito. Si tu veux, j'ai jamais. Si tu veux, y'a pas de problème. Mais sache, pour toi, je vais y aller en prison.
Ah, mais comment tu vas, toi? Tu vois, tu es arrivé, tu vas me pécho et si on se retrouve, moi c'est moi qui vais te savater. C'est quoi mon fusil à pompe, j'ai pu le foutre dans le pion. Et en plus, ça sera la deuxième fois que je te savate. Parce que je suis déjà venu avec lui en cours et que tu es parti en courant. On n'a pas attendu après 200 ans pour y aller, on a été. Mais on était à combien? On était au moins une quarantaine. Ouais. On voulait te mettre à poil, t'attacher et te foutre la honte devant tous les nerfs internet. Ouais. C'était que ça qu'on voulait faire. Ouais. Non, je vais plus faire ça. Et tu veux faire quoi alors? Il est génial. Tu veux vraiment passer à la télé aux informations? Tu veux prendre 20 ans pour toi, Vincent? C'est vrai. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, ce qui va être génial, c'est que ça va être de la légitime défense et c'est moi qui vais te tuer et moi je prendrai rien. Et en plus, ça fera la deuxième fois. La première fois, en plus, pourquoi t'es parti en courant la première fois que j'ai voulu te pécho? Patate. Et comment t'as mis tout? Je suis chaud bouillant. Je prépare le coup, j'arrive. Mais tu prépares rien, toi. Tu prépares, au pire, prépare tes valises quand tu vas te faire expulser pour rentrer en Algérie. Ouais, Vincent. Ouais. Tu vois, t'as vu ce que t'es en train de faire? Ouais. T'as vu ce que t'es en train de faire? Ouais, t'as vu ce que t'es en train de faire? On va avec lui, on va l'attacher, on va l'écorcher. On va pas avec lui, on va avec lui. Sinon, je m'arrange avec lui. Sinon, je m'arrange avec lui. Je vais pas encore. Sinon, je m'arrange avec lui parce que. Ou alors ce qu'on fait, ou alors on fait une vidéo tous les deux. Ouais, je t'écoute. Je la connais, votre merdasse, c'est Delbaum, t'essouffle pas. Tu n'as rien contre moi, tu le sais, et ça je le sais. J'ai fait le compte de billets, c'est tout. Vas-y, tu m'as enculé, espèce de... Ouais. Ah mais... Non, pas en bas, devant mon portail, parce que tu sais, moi j'ai un... Ouais. Je sais, Octavie, ça veut dire qu'aujourd'hui comme demain, je peux venir comme tout à l'heure, comme tout à l'heure. Ouais, c'est ça, t'as raison. Moi je te conseille un truc, tu fais une vidéo, tu dis voilà, je regrette, tu recircules tes vidéos, tu dis je regrette, et t'auras pas de problème. Moi j'arrange tous les mecs qui veulent te défoncer. Tu veux me faire perdre mon temps, ok? J'alerte mon avocat. C'est le meilleur à Miami. C'est l'as des avocats. Ok, c'est quoi? Moi, je te propose un truc. Toi, tu effaces toutes tes vidéos et j'arrête de te placer. Ah ouais, j'ai entendu musulman, mais franchement, t'imagines l'image que vous montrez des musulmans, t'es content? C'est grâce à des gens comme ça. Mais t'imagines, Mortail, c'est à cause de gens comme vous que les gens ils votent Le Pen. Tu le sais ça? Et franchement, moi j'arrête de te lâcher si toi tu... Hein? Je suis en danger. Il est génial, mais t'es génial. Mais tu devrais faire du comique. Franchement, ça, t'es énorme. Ouais, t'arrives à parler un peu? Je sais pas, t'as un peu de mal là. Ok, bon, de toute façon, je te rappellerai là pour voir ce que tu penses de ma nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va te plaire et voilà quoi. Il y a mon ami Corse, Ange, qui est là. Tu trouves ça normal quand la France au français? Eh, salope! Oh, salope! Ouais, mais je te fais de la pub, je vais passer pour des racistes et des gros mongoliens. Non, moi j'ai une société, mon gars, tu vois, moi je m'en suis sorti dans la vie, moi je suis pas un zonard. Moi je vends pas de bédo. Moi je vends pas de bédo comme toi. Quoi ma femme et ma fille? Mais franchement.
Mais tu vas t'occuper de que dalle. Moi tu viens, eh, t'es une salope, eh, vous êtes des salopes, eh, vous êtes des salopes. Ils viennent pas, c'est... Tu crois que tu vas voir sans vous dire, je vais paralyser, tête de mort. Tout le monde veut cliquer. Ouais, merde, c'est le fond du père. Moi je te dis, apprends à dire le drapeau de l'Algérie, après tu pourras parler, espèce de bâtard. Ouais, tu parles d'Algérie, de musulmans. Mais on te voit, t'es complètement défoncé. Eh, on te voit, mais tu sais quoi, moi je parle avec des musulmans, ils rigolent. Je te rappelle sur le téléphone. Il y a Morsay qui apprend à tenir le drapeau de l'Algérie comme il faut dans ses vidéos. Il fait pas, ça fait pitié, ouais, pour nous. Lui qui tient comme il faut le drapeau. Eh, mais sur le Coran, quand je vais vous attraper, vous. Eh, mais ça va voler. Ouais. Allô? Je suis mort. Ah, putain, là, je suis mort, là. Ah, mon cousin, mon copain, là. Ouais. Sérieux? Lui, t'as fait la télé, le drapeau de l'Algérie. Eh, pourquoi tu sais pas... Dis-moi, je te pose une question sérieuse, là. Pourquoi tu sais pas tenir le drapeau de l'Algérie, quand même? C'est ton pays, t'es fier. Tu sais, avec Zahas et Dounia. Eh, les mecs, vous tenez à l'envers, les drapeaux. Hein. Non, mais, je t'explique un truc. Ouais, non, mais réponds à ma question, s'il te plaît. Ils vont te péter, les mecs. J'ai jamais insulté les rebeux. Non, les racailles, ouais. Nique les racailles, ouais. Ah, mais t'inquiète pas, une fois, j'ai survolé Clignancourt avec l'hélico. Ouais. Il est beau, les caïds. Quand je vous ai dit d'aller niquer vos mères, vous y êtes allés comme des cons. Et en plus, elles m'ont appelé, elles m'ont fait « Ouais, ça arrive pas à bander ». Sais-tu la différence entre un maghrébin et Haïti? Tu la connais pas, Morsay? La différence? Il y a un truc, il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est les saucissons pur porc. Ouais, mon pote, peace and porc. Peace and porc, mec. Ouais, nous, le rouge, tu vois, le camembert et tout. Ouais, peace and porc. Nous, c'est du peace and porc, mec. C'est du lourd, là. C'est du lourd, c'est du vrai. Eh, 100% c'est franc. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe, mec. Peace and porc. N'oubliez pas, la paix dans le monde passera par le cochon. Ça, c'est un don de Dieu, ça. Ça vient pas de Allah. Ça vient de Dieu, ça. Ouais, le halouf, c'est la patate, mon frère. Le halouf, c'est la patate. Et je te jure, le halouf, ça nique tout. Ça nique tout. Tu chantes pas, toi, sur ça? Si, mais je vais faire un petit rap là. Flip trop, tu te fais dans ta couche, c'est le rap du deux touches. Dédicace à François. Ça mange du bon porc, du bon saucisson. Tiens ma fille, comme ça tu vas garder les brebis. Ça, c'est pas un hélicoptère, fils. Ça va rentrer aussi, regarde. Ça c'est une fusée. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est ma fusée, fils de merde. Bon. National, monnaie armée, chargée, calibrée, bâtard. Ça, regarde. Tu vois, il n'y a qu'une place, ta meuf, je peux pas la faire monter là. Mais t'inquiète, je peux la faire monter derrière. Tu vas la mettre où? Monter ici, sa meuf. Ici, elle va monter par là, ta meuf. Vince, ta meuf, elle va monter par là. Parce qu'il n'y a qu'une place, moi. Mais déjà, est-ce qu'il a une meuf, lui? Ouais, sa meuf, je l'ai déjà bien fait. C'est qu'il a l'air à Japon. Regarde, je vais monter dedans et ta meuf, ça va lui faire de l'effet quand je vais démarrer. C'est pas ton hélicoptère à 25,50€ par snack, là. Ça s'achète pas. C'est un Boeing, ça, mon frère. Parce que je vois pas, c'est quoi ça? On voit pas. Ça, c'est une grosse fusée. Regarde. Comment? Comment ça, une fusée? Ça va être une fusée que je vais mettre. Attends. Tu veux le mettre où, ça? Regarde, filme-moi. Ça, tu vois, ça, là, ce gros bolide. Je vais le rentrer dans la tatane. Ça, on va rentrer ça. Aïe, on va avoir mal, la pauvre. Mon cul! Je fais pas ces gens des saloperies. C'est toi, pourri, qui va crever!
Voilà. Sans gros. Dis-moi que tu es comme ça, mon frère, parce que toi, t'es pas de la rue, cousin. Crasseuse. Je te prends comme ça, je te mets comme ça. J'achète, je paye, je vais au bois de Boulogne, je paye 20 euros à Zamer. Comme une salope, tu mets un pied en cours, mon pote. Regarde, je me pèse. Sa mère la pute. Hé, hey, je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Envoie-moi les messages. On ne m'encule pas. Hé, hey, qu'est-ce que tu déconnes, hein? C'est connerie. Tu me plains, sale con. Tu vas dans la vingtaine. Je viens m'étouffer pour le tu veux la guerre? Je te plains. Tu veux la guerre? On va te la faire, ok. Oula, attends, je vais te laisser. Hey, salut Internet. Bon voilà, on va faire une petite expérience. Tu te souviens, Morse et Franck de la Galère, il disait que hey, tu vois Leclerc, mon CD, pétale, on s'en bat les couilles, cousin. Donc là, on est où? On est au Leclerc. Vas-y, je sais où qui filme. Ouais, donc voilà, on va faire une petite expérience. On va aller au rayon du Leclerc. Voilà, bon allez, on va aller dans les rayons du Leclerc et puis on va aller voir ça. Attention. Pardon. Allez, c'est parti. Et Morseille, vous pouvez le voir, et tu vas au Leclerc, pétale. On va quand même pas payer pour une eau pareille, sans déconner. Tu prends de la galère, ZDF et tout ça, tu vas au Leclerc, pétale. On va voir. Et tu vas encore passer pour un mytho, Morseille, tu prends de la galère. Vous êtes zéro, les gars. Alors, l'été, j'ai une petite Timberlake, non. Ah, il fait tout, non. Bah là, il n'y a rien du tout. Bah, c'est catastrophique quand même. Dans les autres, là, on prend des pieds, et tu vois, tu allais de côté, hein, tu sais. Non, tête raide, Sébastien Tellier, tout ça. Mais non, bah, tu vois, Marseille. Hey, tu prends de la galère, y'a rien. Mais t'es un mytho. Non, tout le monde le savait que t'es un mytho. Hey, t'es vraiment qu'une chèvre, espèce de... T'es vraiment qu'une chèvre. Hey, tous les moutons, tu aimes? Arrête de vous prendre des bêtes. Cognon, tu bosses 8-10 heures, te crevant le cul. Tu gagnes rien, il est à toi. Qui met des messages. Morsaï, ZDF, je prends de la galère, Alpha 12.0, vous êtes que des baltringues. Je vous baise, je vous nique tous, je vous nique, vous êtes des mythos, il n'y a rien au Leclerc. Marcel, quand il nous a manqué de respect, regarde, un clash que j'ai... Est-ce que t'as encore de ces nouvelles, Visney, encore? Il est mort. C'est vrai? Il s'est fait tuer, ouais. Putain, paix à son âme. Non, t'es sérieux, là? Ouais. Putain, paix à son âme. Non, t'es sérieux, là? Ouais. Il est mort. Mais non, tu mens. Ils ont même pas retrouvé son corps, pour te dire, tu vois. Et j'étais en garde à vue pour cette affaire-là et j'étais acquitté. Parce que j'ai rien à voir. Moi, je tue pas des gens. J'en ai rien à foutre.